Ben voilà, on a un nouvel outil, la roue à cercler. C'est un ami voisin à Bernard qui a fabriqué ça pour nous. Donc ça nous permet de gagner un peu de temps pour les gros cerclages. Bon, c'est pas... Quand les rangées sont assez larges. Voilà, ça permet de gagner pas mal de temps. Ça nous évite de nous baisser aussi. Et ça me semble assez efficace. Bien sûr, il faut fignoler après sur la rangée même, avec un outil. Et voilà. Okay. Donc c'est assez simple comme système. Donc c'est une roue de brouette. Donc avec un carénage autour, donc un support, un axe. Et voilà un manche avec voilà l'outil. Donc une rasette si on veut, affûtée évidemment. Et alors ici avec un contrefort, parce que c'est vrai qu'avec l'effort qu'on donne, ça pourrait plier. Donc ici avec la contre-jambe, là, ça, y a pas de souci. Et ça, je trouve que c'est assez performant et assez simple. Et alors il faut aiguiser la rasette ou... Ben, pour l'instant, ça me semble quand même pas... utile, je crois qu'il faut de temps en temps quand même un peu la nettoyer, mais le... non, je crois pas que ça va s'émousser très vite, pas plus qu'une autre rasette. Donc c'est même démontable pour l'affûtage. Donc on s'est démonté ici, voilà, la lame. Bon. Et alors, c'est un nom? Oh, j'ai pas la roue à cercler. Brouette à cercler, bon, c'est plus une roue. Ouais. Je crois que ça existe déjà avec une roue métallique, avec des rayons. Donc voilà, c'est un nouvel outil. Voilà, ça a l'air de. Je trouve que c'est, ça nous plaît assez bien. Tu vas aller filmer le. On va aller refaire un petit tour. Bien sûr, au début, il faut peut-être un peu. Habitué au maniement. Donc, partant sec ainsi, bon, ça nous permet d'avancer très vite et par la suite fignoler sur la rangée même avec un outil. Mais entre temps, bon voilà. Alors c'est bien sûr c'est dans cette partie là que plus tard, on va venir semer par exemple des carottes ou des laitues ou d'autres choses. Donc dans cette partie-ci. Entre les échalotes. Voilà, ici. Mm. Tandis que là, non. C'est des doubles rangées avec chaque fois un espace pour faire un autre semis. Donc c'est souvent carottes, scorcenaires, chicons. Et à quelle période alors? Donc au mois de mai, juin. Donc, voilà, c'est ça un peu l'avantage, c'est qu'on plante les échalotes et oignons à partir de mars début avril. Donc ça permet d'avoir la levée, bien sûr des échalotes, mais aussi la levée des mauvaises herbes. Et ensuite on travaille avec cet outil-là, on fignole sur la ligne, et ensuite ça nous permet de ressemer. Et ensuite on peut faire une couverture. Donc avec un paillis, une fois que le semis a été fait entre deux. Donc l'oignon échalote ou ail va être récolté au mois de juillet et laissera toute la place pour la culture qu'on aura semée entre deux. Donc soit le chicon ou bien soit la carotte ou le scorcenaire qui elle va continuer sa pousse jusqu'à l'automne, début d'hiver. Et là, c'est l'ail des éléphants. Ah oui, donc là, on voit que l'ail des éléphants commence à monter en hauteur.
Donc il y aura bientôt une tige florale qui va venir se mettre ici avec un beau pompon tout violet. Et oui, ça mûrit au mois d'août. Okay. Ou même septembre. Alors on voit que ça ressemble assez fort au poireau. Mm. Et alors le bulbe, il est vraiment comme ça. Là. J'ai déjà montré ça l'année passée sur des vidéos. Et c'est vraiment intéressant. Bon, c'est un peu moins fort que l'ail ordinaire, mais bon, on voit qu'il n'y a quand même pas de rouille ni rien. Donc, pour l'instant, c'est un ail qui reste sain pendant toute la culture. Okay. Et on a déjà multiplié, et bon, on a déjà multiplié pour donner aux autres. Voilà, on a commencé avec une dizaine de cailleux. Voilà, ici on en met une centaine chaque année. Donc, et par tête, donc un cailleux donne une tête avec 4 à 5 gros cailleux. Donc ça permet quand même de multiplier par 4-5. Donc ça permet de faire plaisir à d'autres amis jardiniers. Ok. Très bien, là on voit les poires. Ils commencent à arriver.